Bon, nouvelle vidéo qui n'est ni plus ni moins la suite que de la dernière, mais qui traite de toute autre chose. Donc Alison, tu me confirmes que tu n'as jamais fait de wheeling de ta vie, toi-même? Non. De ta propre personne? Non. Bon, très bien. Alors, pas de mon plein gré. Pas de ton plein gré, t'en as déjà fait sans faire exprès? Non. Bon, ça va alors. Bon, je t'explique vite fait. Donc on se met en deuxième. Non, mais déjà, la faire rouler déjà. Déjà, tu vas la faire rouler, tranquille, t'inquiète pas. Ensuite, on sera en deuxième. Cette moto-là, tu peux rester tout le temps en deuxième. Tu vois, moi, je suis tout le temps en deuxième, je repars en deuxième, comme si j'étais en première, tout ça, il n'y a pas de souci. Bien sûr, il faut mettre un peu plus de gaz qu'en première. Hein. Une fois que tu es en deuxième, que tu es, t'as le petit compteur, là, tu vois, mais bon, tu sens en régime, il faut que tu sois en bas dans les tours. Sur celle-ci, c'est entre 10 et 20 km/h, on va dire, en général. Ouais. Le mieux, c'est 13, 14, 15 km/h. Donc, toujours en deuxième. Une fois que tu es stable dans ton équilibre gauche-droite déjà, tu vas prendre l'embrayage, tourner un peu, ça faudra t'entraîner pour jauger le l'accélérateur, enfin comment je pourrais dire, l'accélérateur ouais, de la moto, ouais. Pour pas aller trop loin, pas aller pas assez loin, pour que ça soit juste la bonne, le bon régime pour ensuite, donc là tu gardes l'embrayage, tu tournes un peu et tu lâches. Et là c'est ça qui d'un coup va te faire partir un peu en arrière. Plus il y a d'accélération, plus elle lève. Bien sûr, ouais. Donc en gros, ça fait, t'es en train de rouler tranquille, un petit régime stable, lentement. Tu prends l'embrayage, t'accélères un peu, tu lâches. Tu prends l'embrayage, t'accélères un peu, tu lâches. Et là, bah, on va pas chercher compliqué. Hein. Dès que la roue va être levée, ça va être une victoire. Et puis, on verra après, par la suite, si... on va pas essayer de lever plus haut, non. Mais si tu arrives à lever, lâcher, lever, et puis maintenir quelques petits mètres, un ou deux mètres, ce sera déjà super. Mais bon, l'objectif premier, c'est de faire décoller la roue. C'est pas évident. On va faire ça tous les deux, ça va aller. Ouais. Bon, déjà, juste la faire rouler normal, ça t'inquiète, ouais. Donc on va le faire. Je vais te la démarrer et puis tu vas rouler normal, comme tu dis. Tu verras qu'il n'y a pas besoin de toucher par terre parce que moi-même je touche pas par terre. Et quand bah tu roules, mais... t'as pas besoin de toucher par terre. Oui, mais bon. On voit ça tout de suite, t'inquiète pas. Non, on s'en fout, tu as fait tomber. C'est bon, elle t'a pris sur ta jambe droite. Ouais, c'est bon. Bah là, prends l'embrayage, mets la deuxième. Comme sur ta moto. Bah oui, mais sur ma moto je pousse par terre. On s'en fout, c'est un détail ça. Ah non, faut accélérer un moment. Bah oui. Alors, vas-y, mets la deuxième ou la première si tu préfères. Mets la première si tu préfères. Et là, pars tranquillement comme sur ta moto. Voilà. Accélère un petit peu, accélère un petit peu. Accélère un petit peu. Voilà, encore un peu. Accélère un peu. Faut que t'accélères un peu. Là tu vas pouvoir lâcher l'embrayage. Allez vas-y, vas-y. Vas-y. Mets tes pieds. Mets tes pieds.
mets pas tes pieds, tu peux pas avoir d'équilibre. Si tu mets pas tes pieds sur les cale-pieds, tu peux pas avoir d'équilibre. Recommence et mets tes pieds sur les cale-pieds. Voilà, super. Voilà, voilà. Vas-y, roule.
t'as peur, hein. Un peu t'as exactement ça. On va juste mettre un peu plus de gaz. Attends, mais... Maintenant que tu connais le truc, t'as plus besoin de regarder tes mains. Ouais, regarde ben... devant, tranquillement. Je vais passer du tour. Ouais. Échapper des mains. Ah d'accord.
Ouais, mais j'ai trop peur de lever. T'as trop perdu de vitesse. On a calé, monsieur. Ouais. Ouais. Ben voilà, c'est bien. Bravo à toi.